Bonsoir à tous et voici les titres de ce 20h. Politique, trois nouveaux partis rejoints. Il y a l'Union Maurice, il s'agit du parti Justice Sociale de Sheila Benoari, du Mouvement en Avant Maurice de Patrick Belcourt et du parti Justice et Vérité de Satish Bohaboul. L'alliance a été officialisée cet après-midi lors d'une conférence de presse. Résistance et Qu'Alternative maintient sa demande pour une troisième investiture, aucun accord trouvé avec l'Alliance du Changement à ce jour. Une nouvelle rencontre prévue demain matin. Une cinquantaine de dialysés en attente urgente d'une implantation de fistules. Bose Sunaran interpelle les autorités pour une intervention rapide. Condamné à 40 ans de prison pour le meurtre de Gérald Lagesse, Javed Raou Matali voit sa sentence réduite de 24 ans et demi. Et puis à l'étranger, prix Nobel de physique 2024, John Hopfield et Geoffrey Hinton récompensés pour leurs avancées en intelligence artificielle. Politique, l'Union Maurice accueille trois nouvelles formations extra-parlementaires. L'annonce a été faite en conférence de presse cet après-midi. Les trois formations en question sont Parti Justice Sociale de Sheila Benoari, En Avant Maurice de Patrick Belcourt et Parti Justice et Vérité de Satish Bohaboul. Tous les intervenants ont indiqué que les partis traditionnels ne représentent pas la solution au problème actuel et que l'avenir réside plutôt dans les formations extra-parlementaires. L'Union Maurice lance d'ailleurs un appel aux autres formations de la rejoindre. Sheila Benoari a déclaré que le travail a battu et les réformes proposées par l'Union Maurice sont en phase avec ses aspirations pour le pays, d'où sa raison de rejoindre la plateforme. Leurs propos rapportés par Vince Bryan. Et me considérer qu'il est extrêmement important qu'à l'heure actuelle dans laquelle nous pays vivons, que nous pays d'une grande souffrance, un grand problème, nous faisons faire une nouvelle force émerger. Et comme on guette le travail que l'Union Maurice fait pour rassembler tous mes camarades extra-parlementaires, mon senti qu'il est mon devoir moral pour venir donner un coup de main pour sa nouvelle force-là émerger. Et moi aussi, je vais donner un coup de main pour encore inviter les autres partis extra-parlementaires. Vous êtes pas plus long, c'est une introduction des partis qui rassemblaient avec l'Union Maurice, mais il est important qu'il me dise deux points. Très souvent, je donne mes camarades, les autres partis politiques, mon mainstream, qui constamment, et critique ban extra parlementaire, peut dire que c'est nous qui divisons vote. Donc, je peux dire d'immune qui ça ban vote qui donne ban parti extra parlementaire là, n'est pas ban vote utile. Mais nous avons une analyse totalement différente. L'important qui aujourd'hui la population qui peut suivre nous durant sa conférence de presse là comprend qu'un vote utile, c'est un vote pour l'avenir de nos enfants. Patrick Belcourt a de son côté évoqué la nécessité d'un changement. Dire nous plaît en sa bande vieille partie qui peut prendre bande mauricien pour bande dépôt fixe. Et je peux faire bande l'alliance entre eux. Je peux zuir alors la tête mauricien depuis plus de 50 ans, zis pour remplir ce poste, zis pour qu'ils aient famille profiter. Aujourd'hui, à travers l'Union Maurice, nous pouvons dire stop à sa bande jouée là. Donc, l'inormal pour moi aujourd'hui, qui en avant Maurice, vienne jouer sa groupe de plusieurs parties là, pour qu'il nous capable vraiment faire bande mauricien respirer. Surtout, nous pouvons faire pour devoir, nous pouvons faire parce qu'il nous a le sens de la responsabilité. Extrêmement important. Le devoir et la responsabilité envers le peuple mauricien et envers la nouvelle génération. Et puis rappelons que Satish Bohaboul, dirigeant du parti Justice et Vérité, n'était pas présent à la conférence de presse, il était en déplacement.
Résistance et Alternative maintient sa position. Le mouvement veut une troisième investiture pour concrétiser son adhésion à l'Alliance du changement. Cependant, la rencontre de ce mardi après-midi entre les dirigeants de Résistance et Alternative Ashok Soubron, Stéphane Guha et David Sauvage et ceux de l'Alliance du changement, Navindram Goulam et Paul Béranger, n'a pas abouti à un accord. La réunion qui s'est tenue dans la résidence du leader, à la résidence plutôt du leader du Parti travailliste à Riverwalk, s'est terminée sans compromis. À sa sortie, Ashok Soubron a confirmé que la situation restait inchangée concernant la demande de Résistance et Alternative pour une troisième investiture. Le Parti Papillon se réunira ce soir pour décider de la marche à suivre compte tenu de cette impasse. La journée mondiale pour le travail décent célébrée le lundi 7 octobre est une occasion de revendiquer plus de justice salariale. Lors d'une conférence de presse hier, Réas Chetou, président de la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés, a qualifié cette journée d'événement historique. Il a salué l'intervention du gouvernement qui, après 23 ans, a procédé à un réajustement du salaire minimal. Cette décision, selon lui, ouvre une nouvelle page dans l'histoire des droits des travailleurs à Maurice. Ça l'année là pour la CTSP et finena un événement historique dans le domaine du salaire décent et du travail décent. Après exactement 23 ans, ça l'année là finena une décision du gouvernement qui risquait marquer un nouveau page de l'histoire. Moi, explique-moi. En 2001, c'est premier vrai accord collectif sectoriel qui signait dans Maurice. C'est l'accord qui signait entre Baseka et Ban Syndicat Secteur Construction, qui est un seul dans le pays. Ça, l'accord-là, l'y couvert 60 000 dimouns, c'est-à-dire l'y couvert secteur construction et supply chain. RH Tetou a rappelé la lutte de la CTSP pour l'introduction de la négociation sectorielle depuis 2001. C'est selon lui un combat de longue haleine. Il a également souligné que 13% seulement des travailleurs du secteur privé sont syndiqués. De ce fait, 87% restent vulnérables à d'importantes pressions sur le plan professionnel. Depuis 2001, CTSP, pas une année qui nous manquait pour dire bien introduire négociation sectorielle pour tous les autres secteurs. Qui fait? Parce qu'il nous existe 13% de travailleurs dans le secteur privé qui sont capables de syndiquer. Bon, on va vous dire qui syndiquent, mais qui sont capables de syndiquer. 87% de travailleurs. Je suis bien une pression énorme. Et n'a perdu travail quand je peux organiser pour un dans syndicat. Donc, c'est 10-13% de travailleurs aujourd'hui qui peuvent bénéficier les fruits de la négociation collective. Et c'est une raison qui fait le gouvernement finit intervenir pour que le salaire minimal augmente pour y arriver quand il était aujourd'hui. Une cinquantaine de patients dialysés en attente urgente d'une implantation de fistule à l'association des patients dialysés en appel aux autorités. Pour les patients qui doivent être dialysés, le risque d'infection est omniprésent. Ainsi, les patients ont recours à court terme à des cathéters, mais pour ceux dont le traitement est plus long, une fistule est nécessaire. Bose Sounaran est au micro de l'INLEA Padoue. Quand le patient est dialysé, je fais le dialyse dans les meilleures conditions, c'est à travers une fistule. C'est un petit implant que je fais dans les avant-bras, qui connecte une la veine avec une artère. Comme on rentre dans le centre de dialyse, je connecte très facilement à travers les bras. Et là, je fais le dialyse sans danger et l'IOK. Mais à l'absence de cette fistule, c'est que je suis obligé d'utiliser un cathéter que je mets soit dans le cou, soit la jambe, ou bien les autres parties de le corps. Et là, il est prone to infection. Mais si ça, capable provoque une septicémie et aussi même provoque la mort de la personne.
Si la majorité des patients à Maurice sont équipés de fistules, une cinquantaine d'autres sont en attente d'une nouvelle implantation ou d'un remplacement. Vu l'urgence, Bosunaran lance un appel aux autorités pour que cela soit fait rapidement. Effectivement, c'est une situation bien difficile et bien dangereuse sur le mouvement de patients dialysés, parce qu'il y en a au moins une cinquantaine de patients qui peuvent atteindre cette fistule. Donc, pour éviter un problème inutile, c'est ça que nous demandons du ministère, pour qu'il lui fasse le nécessaire immédiatement, pour que tous ces patients qui peuvent atteindre cette fistule-là, je gagne cette fistule dans le jour à venir, parce que quand je gagne cette fistule-là ici, je vous besoin d'attendre au moins une période de 6 à 8 semaines pour que sa fistule-là cicatrise, pour qu'ils soient capables de se dialyser dans les meilleures conditions. Dans l'affaire Stack Party, les juges Karuna Devi Genes Balagi et Denis Moutou ont écouté les arguments des diverses parties sur la demande du pandit Vivek Person pour l'émission d'un writ of mandamus afin que les autorités ayant le pouvoir d'investigation viennent expliquer où elles en sont concernant cette affaire. La cour devra aussi trancher sur un autre aspect, celui de l'intérêt du religieux par rapport à cette affaire, soit le locus standi. L'affaire a été ajournée pour le 14 octobre prochain. Les juges ont déjà reçu les plaidoiries écrites des parties. Les débats se poursuivront lors de la prochaine audience. Le juge Pravinara, siégeant en cour d'assises, a rendu sa décision ce matin dans le cadre de l'appel de Javed Rao Matali de sa sentence de 42 ans, revue ensuite à 40 ans. Ce nouveau procès avait été ordonné par le Privy Council. Ce dernier écopera finalement de 15 ans et demi de prison pour le meurtre de Gérald Lagesse suite à un braquage dans une banque le 11 février 2005. Il obtient donc une réduction de peine de 24 ans et demi. Plus de détails avec Keshav Freedom avec la voix de Dorothy Bonnefemme. Gérald Lagesse avait été découvert ligoté dans la salle des coffres d'une banque après un cambriolage au cours duquel 51,8 millions de roupies ont été emportées. Lors du procès initial, Javed Roumatali, principal suspect dans l'affaire, avait écopé d'une peine de 42 ans de prison. Elle avait été ensuite rabaissée à 40 ans en 2015. Il avait alors plaidé non coupable. L'accusé avait fait appel en janvier 2022 et avait obtenu gain de cause en juin 2024. Le jugement avait de ce fait été annulé. Les Lawlords avaient noté des irrégularités au cours du premier procès et indiqué que le juge avait commis des erreurs. Il y a eu erreur judiciaire grave, a souligné le Privy Council. Lors du nouveau procès aux assises ordonné par les Lawlords, Javed Roumatali a plaidé coupable. Tenant cela en ligne de compte ainsi que les circonstances personnelles de l'accusé et le délai de 10 ans entre les faits, le juge Pravin Ara a condamné Javed Roumatali à 15 ans et demi de prison. Le temps que l'accusé a passé en détention sera déduit de la peine, soit plus de 11 ans de déduction. 6 jours après le décès tragique de Noureza Abdullah, 46 ans, l'enquête policière se poursuit. En effet, si la thèse de vol qui aurait mal tourné a été écartée par les enquêteurs, ces derniers tentent de connaître la vraie raison ayant conduit à ce drame humain. L'interrogatoire du suspect âgé de 15 ans se poursuivra la semaine prochaine, nous dit Nivesh Narayanan. L'enquête menée par la Major Crime Investigation Team North tente de faire la lumière sur cette affaire. Selon les informations, la thèse de vol a été écartée et le suspect se serait rendu dans la maison de la victime pour y rencontrer sa fille âgée de 14 ans. Selon les dires du suspect, Noureza Abdullah n'approuvait pas la relation entre sa fille et lui et les choses auraient dégénéré au moment où elle aurait surpris l'adolescente de 15 ans dans sa maison. Traduit vendredi devant la justice sous une charge provisoire de meurtre, le suspect est maintenu dans une cellule policière en attendant que son interrogatoire ne débute par les enquêteurs. La fille de la victime âgée de 14 ans devra également donner sa version des faits, elle qui était présente et qui aurait vu toute la scène. Rappelons que Noureza Abdullah, 46 ans, a été retrouvée morte à son domicile après avoir été étranglée, comme le précise le rapport de l'autopsie. Le prix.
prix Nobel de physique a été décerné ce mardi au Britanno-Canadien John Hopfield et à l'Américain Jeffrey Hinton pour leurs travaux dans l'apprentissage automatique utilisé dans le développement de l'intelligence artificielle. Les deux lauréats du prix Nobel de physique de cette année ont utilisé des outils de la physique pour développer des méthodes qui sont à la base des puissants systèmes d'apprentissage automatique d'aujourd'hui, a indiqué le jury dans son communiqué. Le prix Nobel de physique est la récompense la plus importante pour les physiciens. Le prix est d'une valeur de 11 millions de couronnes suédoises, soit environ 970 000 euros. Cette somme est divisée à part égale entre les deux lauréats. Ils reçoivent également une médaille et un diplôme. Septembre 2024 a été le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré, poursuivant une série de plus d'un an de températures exceptionnelles qui rend quasiment certain que 2024 sera l'année la plus chaude à jamais mesurée devant le record de 2023, a annoncé ce mardi l'observatoire européen Copernicus. Les précipitations extrêmes du dernier mois ont été aggravées par une atmosphère plus chaude, entraînant par endroits des mois de pluie en quelques jours, a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe du service changement climatique de Copernicus. Le bulletin mensuel met en avant les exemples de la tempête Boris, synonyme d'inondations exceptionnelles en Europe centrale, de la mousson qui a sévèrement frappé le Pakistan et du typhon Kraton qui a frappé Taïwan et les Philippines début octobre. Septembre a aussi été marqué par les ravages des super typhons Yagi et Bebinka en Asie, des inondations meurtrières au Népal et au Japon ou encore de l'ouragan Helene aux États-Unis. Et ce sera tout pour ce 20h ce soir. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée. Tout Mauricien réunit loin de ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amotie ou n'a peine. Liberté menacée, sans frayer ni faveur, nous amène où la vérité.